Alors, grâce à la plateforme Zone Créative, j'ai pu découvrir plusieurs œuvres. Et il y en a une qui m'a interpellée, c'est Le botaniste de Zachary Goldman, il me semble. J'ai beaucoup aimé ce court-métrage parce qu'il était attrayant, la musique était bien, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Parmi les différents travaux qu'on a pu juger, il y a plusieurs belles œuvres qui se sont détachées, notamment bien un des gagnants qui est Chlory, qui nous a présenté un travail en photo argentique qui était assez touchant, sur lequel l'ensemble du jury s'est arrêté. Alors je prêche pour ma paroisse puisque je suis présidente du jury Danse avec ton Crous. Je me suis plutôt attardée sur l'œuvre de Jeanne Hidat, je crois. C'était un court-métrage, donc avec le titre S'il suffisait qu'on s'aime. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était une œuvre plutôt qui laissait place aussi au public. Mon coup de cœur, c'est une photo qui a gagné le premier prix. Et c'est en fait un portrait de sa grand-mère qui lit le journal le matin en noir et blanc. Et c'est exactement les thèmes de mon mémoire. Mon coup de cœur est un film d'animation qui a été réalisé par une étudiante de l'AIR qui s'appelle Jeanne Hidat. L'histoire d'une rupture et je trouve que le dessin qu'a utilisé donc cette jeune artiste c'est très très bien associé avec le bruitage qu'elle a utilisé en fond du film. Donc il y a un contraste entre ces deux médias, si on peut dire. Et puis ce qui m'a aussi interpellée, c'est le trait qu'a utilisé l'étudiante, puisque j'y ai trouvé certaines inspirations de Tommy Ungerer.